Pensons voir là plus largement s'esquisser
changement de cap intéressant dans la gestion budgétaire du CPAS et c'est pour ces raisons que nous nous abstiendrons. Là qu'on voit la différence, ce n'est pas une intervention du fédéral, c'est une volonté.
222 428 de vos 30 travaux. En réalité, il y a une erreur, il faut la corriger de suite si vous voulez bien. En fait, vous savez que les provinces doivent intervenir maintenant dans les dépenses incendies. Alors, la commune a reçu le montant de la dépense incendie, qui était de 319 euros. Et on a reçu un document ici qui nous indiquait que la province intervenait pour 87 516 euros, mais effectivement, on est dans notre endroit. Ne sachant pas si c'était concrètement ou pas cette intervention provinciale, le directeur financier a contacté la personne qui lui a dit qu'il devrait le soustraire. Et en réalité, la zone de cour avait déjà soustrait du montant l'intervention de la province. Si bien que je vous demanderai de modifier le montant au lieu de 222 428 €. C'est 310 019,44 €. Il faut savoir que de nombreuses communes ont mis le montant correct, mais il y a d'autres communes aussi qui ont fait la même opération que nous qui nous échappe correct. Y a-t-il des questions au sujet de la dotation de la zone de cour? Idée, pas question. Pas de question. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, les subsides 2021 aux associations. Je passe la parole à Michel Parotte. Voilà les différents outils que nous avons parlé. Sur le complément pareil de l'année passée, à l'exception des comités de l'UMS, nous avons fait le passé pour nous entendre sur le point comment est distribué les outils. Depuis des années et des années, il s'était fait le revenu cadastral. C'est un peu bizarre, parce qu'il y avait une différence entre les UMS. Pourtant, on réalise la même chose pendant l'année. Donc, on a décidé ici d'aligner toute la jeunesse sur la même licence. Et on a fait la somme, évidemment, la plus importante, puisque ça partait des fâchés. Donc, tous les comités de jeunesse possédant des salles, je crois la somme de 1250 €. Voilà. Donc, il y a 6 comités qui touchent 1250 € au lieu de 600, 740, 850, 1200, 1250, tout le monde sera 1250. Alors, dans les autres modifications, c'est dans les commissions des jeunes et clubs de football. Là, vous savez qu'il y a un montant fixe, plus 10 € par jeune, 21 ans, ainsi de suite. Et là, il y a une vingtaine de jeunes en plus. Chez ça et 60 jeunes en plus pour l'université nationale. Voilà. Donc, les deux modifications principales qu'il y a. Il y a une ou deux associations qui disparaissent et une ou deux nouvelles qui arrivent dans le parmi les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Olivier? L'année dernière, nous verrons qu'il n'y a pas vraiment de grille d'évaluation des subsides qui sont accordés. Il n'y a pas non plus énormément qui est prévu pour répondre à des projets que certaines associations pourront avoir, pour des anniversaires, des festivités exceptionnelles, même si on ne sait pas s'il pourra y en avoir en 2021. Donc voilà, sinon on est évidemment satisfait de voir que les associations sont finalement largement soutenues dans la commune. Je vais répondre que quand une association fait un anniversaire exceptionnel, il faut toujours la demande à la commune et on accepte toujours de les aider d'une manière ou d'une autre dans un événement exceptionnel ou une organisation exceptionnelle. Il n'y aura pas toujours chaque année, sauf ici en 2020, il y en a pas eu, évidemment, mais en général, on les aide toujours. Jacques, est-ce que tu fais question? Nous, ben, nous votons.
comme l'an dernier d'ailleurs, l'absence de critères objectifs pour cette répartition. Ok. Je me permets d'ajouter quelque chose, Michel. Tout à l'heure, on se permettra de vous poser une question qui est en lien avec, avec entre autres, les subsides, une question orale des divers tout à l'heure, mais qui est un peu en rapport avec, avec les subsides. Ok. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Oui, et oui, merci. Le point suivant, le budget ordinaire et extraordinaire pour l'année 2021. Éric, je te repasse la parole. Bien, vous en avez déjà parlé ici, mais nous sommes dans une situation particulière, je vais même dire unique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui est incertitude liée à l'avenir économique, sanitaire et même environnemental de notre société. Et c'est dans ce contexte difficile qu'il faut établir un budget équilibré mais prudent. Quelques exemples, le coût du bois va-t-il remonter? Et quand? Non, rien. Pendant la pandémie, les activités des personnes diminuent et donc de nombreux revenus diminuent, ce qui signifie que nos additionnels vont être influencés par cette diminution, notamment l'IPP. Des dépenses augmentent, mais aux personnes, Noël en a parlé tout à l'heure, sur deux ans, ça fait presque 30% d'augmentation de l'intervention communale vers le CPAS. Justifié. Pendant combien de temps est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. En outre, notre société a choisi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cela, évidemment, se traduit par un coût. Et rien que pour 2021, nos investissements liés à cette réduction des gaz à effet de serre se montent à 800 000 euros, soit 40% des investissements. On peut citer en tout l'installation de panneaux photovoltaïques pour 150 000 euros, le remplacement de 300 luminaires d'éclairage public par des LED pour 140 000 euros, des travaux d'isolation à l'école de Jalais pour 332 000 euros, et ce n'est qu'un début, puisque vous savez que nous sommes engagés dans le plan collecte et qu'il y a des projets pour les années à venir dans cette matière. En ce qui concerne la mobilité douce, nous poursuivons nos investissements après la réalisation du Ravel, après la liaison du Ravel au village de Sarre. Nous prévoyons la réalisation du parking de covoiturage à Jalais, l'acquisition de radars préventifs et aussi la réalisation de l'étape sortie depuis longtemps, un plan de mobilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des charges supplémentaires qui nous viennent du pouvoir supérieur, à savoir de plus en plus de méthodes de travail différentes, de plus en plus de charges, qui ont comme conséquence que les dépenses de personnel augmentent fortement et les dépenses liées à l'informatique augmentent aussi. Au niveau de l'informatique, ça augmente tant en investissement, puisque nous avons mis 42 600 euros à l'extraordinaire, mais aussi à l'ordinaire. Il faut savoir que chaque année, les dépenses informatiques augmentent. On va perdre en 2021 un montant de 90 500 euros. Pour ce qui est des dépenses personnelles, on peut constater une augmentation
partager cette situation difficile, ce contexte difficile. La commune investit quand même encore dans les droits publics, sous 723 000 euros à l'extraordinaire de l'Ukraine, mais aussi dans les bâtiments, de 422 650 euros. Parmi les projets de bâtiments, il y a la construction d'une nouvelle bibliothèque à Sahar pour 300 000 euros. Puisque vous savez, on a parlé que le CPR va transformer le locaux. Donc on va transformer le locaux pour le CPR. Nous l'avons vu, l'avenir est incertain. Pour cette raison, et nous l'avons toujours fait, nous tenons à conserver une situation financière saine. Et nous continuons d'ailleurs, vous l'avez vu dans le budget ordinaire, à alimenter des fonds de réserve. Il est à noter que, malgré ce contexte difficile, nous restons la commune de la région Vert-Victoire avec le plus faible taux d'impôt sur les personnes physiques et parmi les communes ayant le plus faible décompte immobilier. Je pense que doit être la troisième. Notons également que diminuer ces taux, vu la situation difficile que l'on vit, que tout le monde vit pour le moment, parce que bon, j'allais, mais j'allais évidemment le dire ici, eh bien, diminuer ces taux, ce serait irresponsable face à cette situation. Alors, au niveau des chiffres, évidemment, suite à la modification de l'intervention communale pour la zone de secours, il faut les changer un tout petit peu. Les recettes à l'exercice propre restent à 10 300 257 euros. Par contre, les dépenses, elles passent à 10 167 201 euros. Ce qui fait un boni à l'exercice propre de 141 055 euros. Alors, avec les recettes des exercices antérieurs pour 671 746 euros et les dépenses des exercices antérieurs 61 062 euros, nous avons un boni global de 471 740 euros. Quant aux services extraordinaires, nous avons des dépenses de 2 010 450 euros qui se financent par des subsides et des emprunts pour un montant d'un million 400 000 euros et par prélèvement en recette de 279 euros. Voilà, j'ai parlé dans l'introduction des différents projets de la commune. Maintenant, il y a bien entendu beaucoup de choses que l'on retrouve aussi dans le budget, comme par exemple l'engagement d'un agent constatateur et d'autres dépenses de la somme. Enfin, globalement, voilà, passer le budget 2021 tel que nous vous proposons. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça, je vais commencer par toi. D'accord, eh bien, je ne surprendrai pas parce que je serai contre ce budget. Et en voici les raisons. On ne peut nier que votre budget a été élaboré sous la double pression de la pandémie et des cours du bois, même si ces derniers semblent connaître une légère remontée, j'y reviendrai. L'effet de la pandémie se fait certainement sentir à travers l'augmentation de la contribution communale au CPS, on en a déjà parlé, comme nous l'avons souligné lors de la discussion du budget CPS, et se justifie par une augmentation de l'aide aux personnes en difficulté. D'un côté de cela, nous pouvons que constater que depuis l'an dernier, précisément depuis votre annonce inattendue de l'augmentation des deux taxes qui touchent le plus les citoyens, c'est l'imprévoyance de votre majorité qui est mise en lumière. La contribution au CPAS augmente, les cours du bois ne sont pas bons. Et nous voilà face à un budget faible, sans ambition, juste élaboré pour gérer ce qu'il est normal de gérer en bon père de famille
dans une commune, à savoir la mobilité, l'informatique, les voiries ou encore les bâtiments. Car ce ne sont pas les scolytes qui ont grignoté vos budgets 2020 et 2021. C'est depuis bien longtemps votre manque de gestion à long terme, votre absence de prévoyance. C'est votre aveuglement fiscal jusqu'à l'obsession qui vous a fait préférer pendant 7 ans, la mandature précédente de l'année 2019, de ne pas recourir suffisamment à l'emprunt, alors que les taux étaient extraordinairement bas, voire parfois négatifs, de puiser dans les réserves de la commune, de ne pas demander et utiliser tous les subsides possibles. C'est trop facile de se retrancher derrière le Covid et les scolytes pour écarter toute ambition. Deux remarques maintenant parmi d'autres. La vente du bois, tout d'abord. Selon l'Office économique wallon du bois, après 2 années marquées par la crise des scolytes en CER, on note aujourd'hui une légère reprise. L'avenir dépendra des espérances d'un hiver rigoureux et d'un printemps pluvieux. Pour les résineux, contrairement aux épicéas, le Douglas est la vedette des ventes de cet automne, avec un prix moyen de 80 € par mètre cube. Reste à savoir quelle est, dans notre forêt communale, la proportion des Douglas parmi les résineux. En ce qui concerne les feuillus, et là les lots ont facilement trouvé acquéreurs et à bon prix. A noter à ce propos, le plan d'aménagement de la forêt communale adopté par une commune voisine, celle de Marieux. L'objectif de ce plan est de créer une forêt plus diversifiée. En appliquant ce plan, les épicéas passeront normalement de 67% à 18%. La ville de Madrid va pouvoir bénéficier d'un subside de la région wallonne qui soutient les communes qui s'engagent dans la diversification de ces espèces. Nous avons quelque chose à peut-être Vincent à ce propos-là. Pour aider les communes avec un plafond de 50 500 euros selon la superficie forestière de la propriété et le volume des lycéas scolytés. Donc, c'était juste pour complément de ce que Jacques était en train d'expliquer. Voilà, et alors, une dernière remarque qui concerne le parking décoratural que j'avais, c'est vrai que c'est dans le projet, bien évidemment, mais c'est un investissement, tant mieux, peut-être relativement peu coûteux pour la commune. Dans la mesure où la province de Liège reçoit une subvention de 75% du global de l'investissement par site décoratural avec un plafond de 100 000 euros. Voilà, monsieur le Gourmès, quelques réflexions sur le budget 2021. Vous avez la parole à Marc qui saute sur sa chaîne. Nous avons peut-être quelques questions techniques avant cela. C'est une question qui concerne les cotisations de responsabilisation. Je me suis interrogé sur les fluctuations assez marquées entre le compte de 2019 et 2020 et les prévisions pour 2021. Donc, ce compte de responsabilisation, donc, c'est une dépense que la commune doit consentir liée à un indice entre le personnel APE et les statutaires. Donc, je me suis demandé ce qui justifie ici la baisse par rapport à 2020, qui est positive pour nous. On a près de bon 15 000 euros. 25 000 euros de différence entre 2020 et 2021. Est-ce que ça signifie qu'on est déjà dans une politique de modification statutaire de statut de certaines personnes employées? Voilà, c'est l'interrogation que j'avais. Je vais t'interrompre dessus. Les coefficients de responsabilisation diminuent, mais ils sont répartis ailleurs dans les autres articles. Ah, ok, d'accord. Ils sont directement en prix au niveau du coût du personnel. Ça va. Alors les centres sont vertigineux, et Eric vous l'a déjà dit, mais en fait vous le redire. Oui. Imaginez-vous que chaque année on va devoir ajouter pratiquement 100 000 euros en plus chaque année. Et 100 en plus de la somme. Oui, tout à fait. Pour arriver à des sommes
réalité, mais ce n'est, ce n'est pas une question de changement politique envers les statutaires et les autres actuels. Ok, ça va ça. D'accord. Voilà, une question, c'est que ça. Merci. Marc, je vais passer la parole. Oui, moi, je voudrais revenir sur la grande sujet, notamment sur la vente des diverses. Je te trouve extraordinaire. Franchement, mettre en avant le coût des Douglas, 80 euros de plus. Maintenant, tu dis certaines choses. Tu dis notamment que les Douglas qu'on vend maintenant, ils étaient vendus à 70-80 ans, que le bois va être au temps, que ça pue. Tu dis aussi, maintenant tu ne sais probablement rien, parce que ce n'est pas le plus nouvelle, mais que les Douglas actuellement, ils sont malades. Ils souffrent de deux maladies, la sirocopose et la rouge suisse. Je t'invite à te promener à l'hospital ou derrière l'atelier communal. Et aller voir l'état sanitaire de Douglas. Les jeunes, c'est un peu dans l'état dans lequel ils sont. Alors, vous suggérez de prendre du Douglas maintenant parce qu'ils sont en chair. C'est un peu ridicule, c'est complètement futile. Surtout qu'ils sont malades. C'est bon, tu ne sais pas tout de même. Non, non, mais en fait, ce que tu dis, c'est que l'office soit économique par l'ordre du bois, autant l'office qui dit les choses ridicules. Non, bon, je dis que ton point de vue est ridicule. C'est pas parce qu'on prend aujourd'hui du Douglas qui se vend en chair que dans 70-80 ans, on vend en chair. On est en train d'être obligé de s'adapter à la situation sanitaire du bois, notamment, ce qui concerne le glace, des maladies qui n'existaient pas quand on a introduit dans la région. Alors, pour le plan d'aménagement, je vous permets de remarquer que le plan d'aménagement a été conclu suite à de nombreuses discussions entre les délais, que le plan d'aménagement prévoit une diversification des essences qui sont utilisées dans nos forêts. On n'a pas attendu qu'il nous en parle de la terre. Il faut savoir que dans un même lot, dans le même compartiment, il arrive qu'on porte 4 essences différentes. Pourquoi? Parce que je suis le fichier écologique des essences, qui nous est donc demandé, imposé par la région, et qui suggère les essences qui sont les plus adaptées à la région, à la station. Et nous privilégions au maximum de diversification pour éviter d'avoir une concentration de même variété au même endroit, pour ne plus connaître le problème d'escalier que nous avons au long endroit. Et maintenant, c'est un élément de plan d'aménagement d'une durée de 36 ans, une valeur de 36 ans. On ne sait pas claquer les doigts pour changer tous les efforts qui sont présents. Il faut que la vie de la forêt se fasse, que les éclaircies se fassent, que les coupes à bord se fassent, et que les replantations se fassent en temps voulu. Donc c'est pas bousculer les choses, la forêt, c'est l'or. Mais quand on est patient, ça peut rapporter des temps pendant des années qu'on est. À ce niveau, je pense que tu as bon quand même pour tout le monde. Mais je ne comprends pas. Oui, mais... Donc, tu nous as fait un reproche comme si on n'avait pas de plan d'aménagement, en disant mal médit à son plan d'aménagement avec de la biodiversité. Bon, le plan d'aménagement, il est passé ici il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, donc peut-être que tu as oublié. Mais aussi, je voudrais bien dire ceci, c'est qu'au niveau de dans deux, enfin, il faut que tu sais qu'on a 2200 hectares de forêt, sur les 2200 hectares de forêt communale, 700 hectares, je pense, sont encore en culture intensive, tout le reste est en extensif. C'est-à-dire une gestion, on va dire, où l'écologie des espèces est vraiment demandée, respectée, où les coupes à blanc n'existent pas plus, où il y a tout ça, mais vous devriez savoir, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il est passé ici, après des années de travail du INF et de la commune. Donc, venir dire, donc, m'a mis dit un plan d'aménagement forestier, je suis désolé, on en a un. Il faut peut-être regarder le nom plutôt que de regarder celui de m'a. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'il est certain que pour l'instant, ben, les vieux Douglas se vendent très bien, mais le dimanche, toutes les jeunes plantations qu'on a fait il y a jusqu'à 15-20 ans pour le moment, eh bien, le DNF nous a répondu ceci. Voilà, ils sont malades, ils ne meurent pas, mais ils ne bougent pas, ils ne grandissent pas, ils ne font rien, ils sont là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais te poser la question, tiens, Jacques, qu'est-ce qu'on fait? On attend, il y a déjà 2-3 ans ou 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, on les broie et on replante autre chose? Ou bien on attend, on ne sait pas quand, pour voir s'ils vont redémarrer?
Que va-t-on faire? Je pose la question. Comme tu as je réponds simplement que je fais confiance aux personnes. Ah, mais ils sont ils ne savent pas le plan des personnes qui abordent le plan en question. Non, ils ne le savent pas, Jacques. Ils nous disent simplement. Voilà. On va attendre. On va peut-être attendre. Mais si ça se fait, dans 2 ans, ils seront morts. Alors là, tu pourras venir dire, mais pourquoi est-ce que vous ne les avez pas lâchés et replantés autre chose? On aurait gagné 6-7 ans de culture. Mais personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Donc, c'est un pari sur l'avenir que l'on fait, on les maintient. Peut-être qu'ils vont démarrer ou ils vont mourir, mais tu pourras nous reprocher de les avoir laissés mourir. Non, on ne sait rien. Personne ne le sait, ni le BNF, ni les scientifiques, parce qu'on n'a rien pour soigner ces maladies. Hein. Ce sont des nouvelles maladies, et quand on parle de 2 maladies, je pense même qu'il y en a 4. Parce qu'il y a encore des nouvelles qui viennent de se rajouter, et il y a même des plantations que l'on a fait où les 4 maladies sont pratiquement présentes, donc on ne sait pas du tout si les nouvelles vont se vivre et atteindront jamais leur âge mature. Mais ça, on ne sera plus là, ne casse pas. Moi, je ne serai plus là, tu ne seras plus là, plus personne ici ne sera là. Et peut-être que les générations futures diront comme à l'époque où. Le bon restaurant à ça a planté dans les fagnes, où on prenait pour un cousin, et bien 100 ans après, 110 ans après, ben les communes se sont frottées les mains en disant « Oh, quel génie !» Ça aurait pu être l'inverse. Mais là, on ne saurait pas le savoir. Et le DNF n'arrête pas de nous dire, on ne sait pas. Alors, de temps en temps, mais vérité, vérité, on n'est pas d'accord avec eux pour la plantation qu'ils nous font faire, parce que notamment pour le moment, ce bois-là ne vaut pas grand-chose, personne n'en veut. Si tu as des pins, par exemple, pour le moment, des pins, il y a des pins gigantesques pour 110 ans, qui ne valent rien. Dans 5 ans, c'est parce qu'ils vont vraiment. Mais le temps qu'ils grandissent, si on nous dit maintenant, on va planter des pins, oui, mais ils ne valent rien pour le moment. Et on nous répond, et dans 70 ans, vous savez nous dire combien ils vont. Non, personne ne sait. Donc c'est pour ça qu'on diversifie énormément, on plante de toutes les sortes possibles inimaginables. On a même planté des séquoias géants, hein, pour te le dire, parce que vous ne le savez pas, ça va être sûr, pour un peu tester pour voir s'ils ne pousseraient pas bien dans notre région, parce qu'ils poussent bien du côté de l'Eupen. Et puis on a une très 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 mauvaise région, on a un sol lamentable. Il ne faut même pas les comparer par rapport à Malmedy. On est ici dans la faille, avec de l'argile blanche. Alors je t'invite à aller potasser sur l'argile blanche et tu verras que c'est un casse-tête et qu'on a fait beaucoup d'erreurs de silviculture dans les générations passées qui sont bien passées, on a eu beaucoup de chance, mais maintenant le DNF ne veut plus prendre ce risque-là. Et la commune de Jalais, on a de l'argile blanche partout, 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 partout. Il y a une faille là qui traverse. C'est surprenant. Et si peut-être que tu parlais de parking de covoiturage, si tu es allé voir les travaux du parking de covoiturage à Barrec Michel, ben tu aurais vu ce que c'était la vue blanche. Tu auras 1,50 m de hauteur où on ne peut rien faire avec ça. On ne pouvait faire que l'enlever. Et ça a coûté d'ailleurs beaucoup plus cher parce qu'on n'imaginait pas qu'on avait autant. Et pour avoir une route stable, il faut enlever cette vue blanche qui est un peu comme ça, voilà, c'est un peu comme si tu marchais sur de la base mais sans t'enfoncer dedans. Et ça n'a aucune stabilité, l'eau ne passe pas au travers, c'est absolument catastrophique. Et on en a partout, partout, partout. Et je t'invite à regarder les cartes qui viennent dans la ville blanche, tu verras, parce que c'est pas évident. Alors, tant que je suis sur les parkings de covoiturage, tu nous dis que c'est très bien, mais que ça ne coûte pas cher à la commune, c'est quand même un subi de maximum 100 000 euros. 75%. Mais plafonné à 100 000 euros, je t'invite à aller voir le coût d'un parking de covoiturage, et puis tu verras quand même que ça coûte quand même cher à la commune. Et je pensais que tu allais dire l'inverse, que tu allais me dire qu'on fait des choses très intéressantes qui ne coûtent pas cher, mais je peux t'assurer que quand tu verras la somme totale du parking, mais je l'invite à aller le voir, tu verras. Alors aussi, on n'a pas recours aux subsides, c'est facile de le dire, mais j'aimerais bien savoir dans quel domaine on ne va pas chercher les subsides. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est facile de dire qu'on ne recourt pas au public, mais je voudrais savoir dans quel projet on le fait, où on n'a pas été chercher les subsides. Possible. Écoute, parce que si vous le dites, c'est que vous avez des exemples. Voilà, je prends des exemples pour nombreux, mais
D'ailleurs, si
si tu fais des emprunts à la banque, tu ne payes pas que l'intérêt, tu payes aussi une commission à la banque. Hein. Et la commission est toujours d'autant plus élevée que ton intérêt est bas. Il faut savoir que comme nous, on va faire des emprunts. Et puis, à la dernière chose, des emprunts, c'est bien. Le taux serait même de zéro si on fait plein d'emprunts, on doit les payer. Alors, faire des emprunts, j'ai déjà répondu ça, pour financer l'ordinaire, d'abord c'est interdit et ce serait même irresponsable et dangereux. Voilà. Et les subsides, vous savez ce que j'en pense, je vous en ai déjà parlé. Les subsides, c'est bien, mais on oublie qu'on va toujours banquer une bonne partie et toujours plus que ce qu'on a budgétisé au départ. Je me permets, Marc, justement, pour revenir à ton parking de covoiturage. Moi, j'ai simplement le mérite dans le budget. Oui. Je pense que j'ai voulu mettre 105 000 euros. Oui. OK. Et donc, Michel, il dit, mais vous ne savez même pas combien ça coûte beaucoup plus cher. Mais moi, je veux bien que ça coûte plus cher. Et si vous ne me le dites pas, je vois une ligne de 105 000. Attends, Michel. Je vois un budget, une participation de la province, en tant que site de 75%. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire, effectivement, ça voudrait donc dire que la commune prend 25% à sa charge et donc que c'est 105 000 euros. Moi, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi. Tu peux toujours aller demander à la commune à mettre quelqu'un. Ça, c'est bon. Je suis directeur de la ville et j'en ai bien reçu. On ne peut pas toujours se faire demander. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être expert dans certains domaines. J'entends même. Quand elle travaille sur le CPS, je n'ai rien à en dire parce que c'est bien fait, eh bien, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui doivent, comment je dis, c'est pas si simple de se dire, on va poser la bonne question, tiens, aujourd'hui, en disant, tiens, est-ce que vous auriez pu faire mieux quelque chose? Pas que vous faites mal les choses, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire pour arriver à avoir quelque chose de meilleur? Et moi, peut-être naïvement, Michel, c'est ce que je croyais qu'on allait mieux faire ici, pendant cette majorité. C'est un peu ça que je croyais qu'on allait faire. Et, malheureusement, je le regrette. Moi, j'aimerais bien passer une journée avec Marc et tout m'explique. Mais toi, Vincent, toi, ça, c'est cette essence-là. Et ça ne marchera pas ici parce qu'on a de l'argile blanche. Eh bien oui, moi, je viens de SBN, j'ai passé ma vie en FTA quand j'étais jeune, mais on avait du limon. Et donc, pour moi, l'argile blanche, je ne connais pas. Et donc, si tu m'expliques, je ne pose peut-être pas la question au conseil communal parce que je vous l'ai appris. Cette vocation qu'on a de laisser d'appeler travailler pour les gens pour améliorer leur quotidien. Mais voilà, oui. Je pense qu'on a bien tous à y aller. Et tu parles souvent de la position de la résistance. Tu as parlé. Mais ce que tu as dit avant, on n'est pas ça. Ne reflète pas ce que tu dis maintenant. S'il vous plaît. Ce que tu dis maintenant ne reflète pas ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on nous dit vous ne faites rien, investissement lamentable, mineur, vous ne faites rien. Non, si. Faites des sans ambition, ça qui veut dire qu'on fait rien, qu'on ne sait rien faire, qu'on ne sait faire que taxer les gens, qu'on a mal géré. Mais c'est facile à dire. Mais si, c'est ce qui a été dit. C'est ce qu'on dit. Alors après, on va nous dire, oui, mais vous n'êtes quand même pas sympa, vous ne nous expliquez pas, etc. Mais non, c'est chaque année la même rengaine, le même discours. On dit, vous ne faites rien, vous n'investissez pas, vous n'avez su faire qu'une chose, augmenter les impôts, les augmenter une fois en 7 ans ici. Et franchement, on était tellement en bas par rapport aux autres communes que c'était incroyable de rester à des niveaux pareils. Absolument incroyable. Enfin, peu importe. Mais c'est ça qui ne va pas. Et puis alors, quand tu dis, je ne sais pas combien coûte un parking de covoiturage. À jamais, on a déjà fait combien de parkings de covoiturage? On a seul à serre, on a celui de siège. Oui. Et celui de la baraque Michel. Ça en fait. Écoute, Michel, attends, tu as vu tout le budget final de chaque parking au niveau de tous les rapports.
budget maximum de 125, mais en plus de ça, et là franchement on ne le savait pas trop, il nous impose certaines choses supplémentaires dans lesquelles il n'intervient pas. Mais maintenant ils veulent intervenir parce qu'ils trouvent que ça fait quand même lourd, et je vais le dire pour province de Liège, je crois qu'on est la commune où on a fait le plus de parking de province. Mais voilà, mais non, on te fait bien, non, mais non, mais c'est ça, le problème, c'est que, voilà, vous jouez, tu dis qu'on joue à un jeu politique, ben, d'accord, mais vous êtes des partenaires, vraiment, la bonne, hein, on ne fait rien, on peut vous demander les pas, vous essayez, mais non, ça ne va pas non plus, donc il ne faut pas venir à peine nous dire qu'on n'est pas sympa, parce qu'on ne laisse pas faire, parce qu'on ne laisse pas faire. thank you.
panneaux photovoltaïques. Alors on dit c'est très bien, puisque nous, ça fait 4 ou 5 ans qu'on vous en parle et que le projet est systématiquement refusé. Je crois que maintenant, c'est devenu possible, donc on s'en félicite. Maintenant, si on avait fait un peu plus tôt, ben, c'est un investissement, les panneaux photovoltaïques, effectivement, ça a un coût, mais ça permet aussi de réaliser des économies sur les factures d'électricité et en même temps diminuer les émissions de CO2 pour répondre aux objectifs. Il y a un peu la même chose pour les écoles de Jalais, il y a un montant de 330 000 euros, mais il y a aussi un subside de réparation de 249 000. Évidemment, il reste 320 000 euros que la commune doit mettre, mais ça permettra aussi de réaliser des économies sur le chauffage du bâtiment. Ce qu'on a un peu l'impression, c'est que chaque fois que vous allez faire une dépense, c'est comme si vous sortiez l'argent de votre propre poche ou votre propre portefeuille. Voilà, c'est un système qui est dynamique. On ne va pas non plus gérer la commune comme on gère un ménage. Il y a une autre façon de faire, c'est pas tout à fait le même truc. Il y a une durée de vie qui est beaucoup plus longue que l'épargne d'un ménage. Donc, on est tout à fait favorable évidemment aux investissements. On va pouvoir jamais en faire plus. Vous avez parlé du plan Pellet qui n'est toujours pas mis en œuvre. Je pense que la commune va s'y inscrire. J'espère que notre candidature sera retenue. J'ai vu que certaines communes ont été refusées parce que le dossier n'était pas complet. Donc j'espère que pour la commune du Jalais, ça va bien fonctionner. Alors, ce qu'on regrette aussi dans ce budget, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien, qui est prévu pour aider les commerces et les indépendants de la commune. C'est comme si la crise du Covid n'existait pas. Quand on regarde le budget de la commune de Jalais, à part acheter du gel hydroalcoolique, il n'y a rien qui concerne la crise du Covid. Alors que ça concerne quand même fortement les communes. Il y a dans la commune 1150 indépendants, ce sont les chiffres qui ont été donnés par la CNDR, sur une population de 8500 habitants, c'est énorme. Et la commune n'a rien été prévu dans le budget pour aider les indépendants, que ce soit sous forme de chèque à charge aux hommes citoyens ou pour d'autres formules qui permettraient d'aider les commerces. Quand on lit les journaux, tous les jours, toutes les semaines, il y avait les communes pour des plans de relance, des tasses fortes, etc. À Jalais, on n'entend parler de rien. C'est comme si le Covid n'était pas passé chez nous, au niveau des soutiens. Et alors, une dernière chose aussi, c'est que il y a beaucoup de communes maintenant qui mettent à disposition à la population un budget participatif, qui a un montant limité de 10 000, 20 000, 25 000 euros, qui permet à des citoyens de rentrer des projets pour la commune et qui seront réalisés à l'aide des citoyens. C'est un moyen aussi d'impliquer plus les citoyens dans la politique communale et aussi de leur rendre un peu de fierté de participer à la vie de la commune. Voilà en gros les quelques points que nous avons relevés dans ce budget. Ouais, je veux répondre un peu au sujet participatif. Tu sais, si on n'avait pas renouvelé la CNDR, je sais bien qu'elle est parlée à cause du Covid. On me dirait, mais enfin, pourquoi est-ce que vous n'avez pas renouvelé la CNDR, que la population peut participer à l'élaboration de projets, à tout ce qu'on peut imaginer. Tu sais très bien l'idée que nous avons une CNDR avec 60 citoyens qui participent à la CNDR. Donc il ne faut pas dire qu'on ne fait rien pour les citoyens et la participation citoyenne, hein, parce que c'est vraiment... La CNDR, ça coûte autre chose que 10 000 euros. Hein. Je ne voudrais pas te le dire comme ça, mais... On fera le compte que de répondre à qui c'est le CNDR. C'est colossal. Et toutes les communes n'ont pas une CNDR. Et on renouvelait la deuxième de l'autre. Et on ne s'est jamais arrêté. Il y a encore des projets qu'il faut commencer ici au printemps, de la première CNDR qui vient toujours. Donc on n'a toujours pas fini certains projets. Oui, donc on ne s'est pas arrêté en 2014 et 2018. On n'aurait pas su de toute façon. Il fallait, tu sais très bien qu'il fallait qu'on termine. On renouvelle et ça a pris le temps que ça a pris et maintenant c'est à l'arrêt, on n'en peut rien. Personne ne peut quelque chose, on n'a pas pu se réunir à 60 et la CNDR en vidéoconférence, personne n'en a voulu, ni la Fondation régionale de Wallonie non plus. Alors il ne faut pas dire qu'on ne fait rien pour les citoyens. Alors je reviens pour la énième fois pour que la commune ne fait rien pour les commerçants, pour les indépendants, etc. On a encore reçu, il n'y a pas longtemps, la région Wallonne qui nous invite à supprimer les taxes
de terrasses, les taxes de ceci, les taxes de cela, etc. Donc on dit qu'on ne fait rien, mais je vous ai déjà répondu qu'on ne saurait pas supprimer des taxes qui n'existent pas. On est une des rares communes dans l'arrondissement Verdier, et je parie que même en Belgique, où il n'y a pas de taxes. On ne taxe rien. Alors comment voulez-vous qu'on supprime des taxes? Parce qu'on me dit qu'il faut les aider. L'aider, moi je peux vous les courir, vous les voyez certainement, la région Wallonne qui demande, tiens, vous pourriez supprimer les taxes de séjour. On n'en a pas. Vous pourriez supprimer les taxes de terrasse pour les restaurateurs. Il n'y a pas de taxes sur les terrasses. Les commerces, on n'en a pas des dizaines. Il n'y a aucune taxe. Il n'y a pas des taxes de voiture, de panneaux qui annoncent quoi que ce soit. Il n'y a rien. Pas de taxe. Alors que voulez-vous qu'on supprime? Mais on ne fait rien, c'est vrai. On n'aide pas, on ne supprime rien parce qu'il n'y a rien à supprimer. Mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'on ne donne pas d'argent aux gens pour aller dépenser dans des commerces locaux. Mais je ne vois pas très bien comment je pourrais donner des bons à tous les habitants de la commune de Jalais pour aller dépenser dans les commerces locaux. Hein. Parce que je pense que de toute façon, aller faire ses courses dans les magasins d'alimentation qui sont dans la commune, je vois qu'il y a, je ne pense pas qu'ils subissent la crise. Hein. Tu m'excuseras, je ne pense pas que les commerces d'alimentation subissent la crise. Les restaurants. Les restaurants, je pense qu'il y en a qui fonctionnent quand même très bien avec tout ce qu'on a fait, toute la publicité qu'on a fait sur le site internet pour leur faire leur publicité pour la vente de leur menu, etc. En pick and collect, etc. Pas de problème, je pense qu'ils sont tous très très contents et ça fonctionne très très bien. Ils sont très reconnaissants des gens qui vont chez eux, chercher des menus, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autres commerces? Ben les autres commerces, ce sont des indépendants. Dans les 1150 indépendants publics, il y en a peut-être 650 qui sont à temps plein, les autres sont des indépendants à temps partiel. Ils sont beaucoup dans le bâtiment. Je crois que tout le monde travaille, ils ont du travail juste au-dessus de la tête, à tel point que quand on demande des mises de prêt à la commune, ils ne prennent même pas la peine de répondre, parce que pas le temps, ils ne sauraient pas. On travaille. Donc je ne pense pas qu'ils subissent la crise de plein fouet, hein, ceux-là. Ça, franchement, il y en a qui le subissent, et je vais prendre certains exemples, les coiffeurs, les esthéticiens, etc. Mais tu sais très bien aussi qu'il y a quand même des aides. Et les aides, je ne sais pas si tu en fais partie, ou si tu en épouses, ou ta famille, etc., mais les aides fédérales et de la région Wallonne sont quand même très bien. Alors, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait, on ne va pas offrir des soins dans des maisons de soins de bien-être, alors qu'ils sont fermés. Et par la suite, je pense qu'ils sauront reprendre leur travail, et c'est bien malheureux que des gens sont fermés. C'est fermé. Mais, et encore, on n'a pas beaucoup de culture, vous le savez, on n'a pas de centre culturel gigantesque, on n'a pas de salle de théâtre, on n'a pas de... Mais on n'a pas des taxes non plus liées à tout ça, donc supprimer quoi. Mais je ne crois pas simplement de supprimer des taxes. Diminue les frais d'investissement, ça pourrait être...
qu'on a repris 13 projets 2020 qu'on avait, nous, validés dans le budget, que vous, vous avez fait refuser ou validés. On les a repris. On les a, on va pas dire annulés, bon ben, un peu, et on les a reportés en 2021, identiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'a même pas su commencer la moindre chose sur ce dossier-là. 13 projets. Donc, comme on avait décidé de les faire, mais qu'on n'avait encore rien fait, on les a repris, on les a remis en 2021. Plus tous les exercices antérieurs et tous les projets qui sont toujours en cours. Et quand on sait qu'on a encore, par exemple, des projets d'égouttage, de Plester, qui devraient être finis depuis 2013, il n'y a même pas encore commencé. Mais je ne te dis pas le nombre de réunions qu'on a à cause de ça. Il y a eu 3-4 changements de législature. Tous les services ont dû recommencer tous les dossiers pour le traitement des terres, pour ceci. Il y avait un propriétaire qui n'a pas été d'accord. On a dû aller à l'expropriation. On a dû attendre la nouvelle réglementation. On serait allé tout seul. Et puis on a été la première commune à faire une expropriation. Ça a pris un temps invraisemblable. Et on n'a toujours pas commencé, ici on est en 2020, on n'a pas encore commencé le projet qui devait être terminé en 2013. Écoutage d'Atesté. Mais non, ce que je veux dire par là, on ne peut pas faire des dossiers à l'infini, il faut d'abord les finaliser, les faire et les clôturer. Avant de commencer, par ici, on fait des dossiers super au niveau d'écologie, etc. Mais maintenant, moi je me souviens avec Marc, quand on était dans l'opposition, pour dire comment avant, on était les premiers pratiquement à parler de panneaux photovoltaïques à l'époque avec Rudy Grégoire, qui était le grand spécialiste belge des panneaux photovoltaïques, qui les a placés sous des sociétés. On commence seulement à toucher le bénéfice des panneaux pour la commune parce que c'était les sociétés qui avaient investi dans les panneaux, qui avaient mis les panneaux sur les toits, etc., qui ont touché l'électricité, les certificats verts pendant 5, 6, 7, 8 ans. Et on en a installé nous-mêmes et on a peut-être été un peu freinés sur l'installation de certains panneaux photovoltaïques, mais vous le savez bien, dans certaines écoles, parce qu'il y avait des compteurs qui n'acceptaient pas les panneaux photovoltaïques, parce que c'était des compteurs haute tension et je ne sais pas pourquoi, qui sont changés maintenant. Et enfin, on peut installer, après 8 ans, on peut enfin installer des panneaux photovoltaïques. Mais là, la première chose que tu dis, c'est nous qui avons dit qu'il fallait faire des panneaux photovoltaïques. Mais c'est pas si simple que ça, justement. Je te dis qu'il y avait des problèmes dans certains bâtiments qu'on ne savait pas les installer. Mais ça, on a changé les compteurs, puis c'est juste une boîte à l'heure. Mais non, ça ne va pas comme ça. C'est rêvé, ça, des choses comme ça. C'est ce que vous expliquez. On a changé les compteurs et maintenant c'est possible. Donc, mais non, maintenant on va mettre des panneaux. Demain, vous allez écrire à grâce au groupe. On va installer des panneaux photovoltaïques. Enfin, ils nous écoutent. On fait ça depuis 10-12 ans. Pour installer sur ces panneaux photovoltaïques, il y a même des endroits qu'on n'a pas su le faire parce qu'on a dû faire des études pour voir si le réseau était capable d'absorber l'électricité produite, il n'est pas capable. Hein? Donc, bon, aussi. Mais non, mais ça aussi, alors, voilà, et puis maintenant on investit, mais ça ne va pas encore. Et on investit beaucoup, hein, au niveau écologique. Si on regarde les budgets des années précédentes, en 2014, le budget, c'était un montant de 7 550 000. Et donc maintenant, le budget que vous proposez, c'est la moitié. Donc, oui, mais attends. Il y avait l'école de Sarre dedans, et oui, la marche privée, c'était 3 millions. Ouais. Oui, bon, donc on finit. Donc il y a encore des écoles qui sont encore dans le budget. C'est pas de votre faute, c'est ça, vous êtes tellement en train de le reprocher. Mais oui, mais ça, si tu regardes les investissements, tu vois vraiment la clé de là, c'est sûr, c'est quand tu as l'argent, cette année-là. C'est l'année où il y a eu un développement plus important. Donc, cette année-là, la commune a quand même été capable, même au niveau des services, de gérer des investissements, des gros dossiers. Non, mais si on fait quand même des investissements comme ça chaque année, de garantir que les additionnels, on ne sera plus la commune la moins taxée. Mais donc, il faut les réaliser aussi. Hein. Et on a. Ben voilà, bon, enfin, bon, voilà. Est-ce que tu avais posé comme question, non, plus d'action, plus d'ambition, plus...
que d'aide financière. Ils ont probablement, et Noël est là pour le dire, besoin d'autres aides. Donc, je vais vous donner lecture de notre petite question, et puis après, vous direz ce que vous en pensez. Tout d'abord, par connexion, je dois dire que l'origine de cette intervention est une proposition qui a été toute récemment déposée par deux conseillers communaux de la commune de Teux, à savoir M. Théâtre et M. Bri. Et donc, je vais vous exposer un petit peu cette proposition. Donc, quel est l'objectif de cette proposition? C'est de proposer rapidement une aide concrète et coordonnée dans notre commune à de nombreux secteurs d'activité économique, socio-culturelle, qui sont tous durement touchés par cette crise du Covid. L'objectif n'est pas de donner un coup de pouce financier unique, mais plutôt d'apporter une réflexion sur une aide structurelle à court, moyen ou long terme. Nous souhaitons que l'on puisse cibler l'ensemble des aides qui pourraient être apportées à ces différents acteurs, car il ne s'agit pas, je vais vous dire, uniquement d'aide financière. Tout le monde a été impacté dans ses finances, dans sa vie sociale, dans sa chair, et cette crise a modifié dramatiquement la vie de nos concitoyens et ainsi que la nôtre. Mais force est de constater que certaines catégories d'habitants ont particulièrement souffert sur le plan financier, social et psychologique. L'objectif de cette proposition est de porter une réflexion sur la mise en place d'une solution globale qui pourrait apporter une aide substantielle à différents secteurs d'activité, et de manière rationnelle et objective. Le but n'est pas de donner X euros à tel SBL ou X euros à une autre. L'idée est de déterminer qui est le plus impacté pour le moment, et si les impacts ne sont pas communs, d'amener une aide concrète de manière la plus cohérente et homogène possible pour leur venir en aide. Dans de nombreuses communes, les aides ont pris, comme le disait tout à l'heure Didier, peut-être Eric, je ne sais plus, des aides diverses, sous diverses formes, comme des chèques d'achat, c'est toi qui en parlais, Michel, l'aide à la conception de pages web pour permettre la vente en ligne dans certaines communes, de l'aide à la livraison de colis dans d'autres communes, etc. Ce qui est proposé ici est différent. L'objectif est de regrouper un panel de mesures. Et les secteurs visés seraient les suivants. Les indépendants. Beaucoup d'entre eux ont été sévèrement impactés à des degrés différents. Vous l'avez dit tout à l'heure, certains ont été moins que d'autres. Certains ont pu résister et rester en activité. Par exemple, les supérettes ou les boulangeries. Mais d'autres ont eu moins de chance et ont dû complètement fermer. Comme tu l'as dit également, les esthéticiennes, les coiffeurs, certains restaurateurs, on doit les aider. La culture, qui est un des secteurs dont on parle peu. Pourtant, beaucoup d'artistes, et on en a à jamais, ont arrêté totalement leur activité, sans bénéficier peut-être de la main-d'œuvre financière. Nous, commune, on ne peut pas les abandonner. Le sport, Michel. Les clubs qui s'occupent d'un nombre important de jeunes et de moins jeunes, vous le savez, sont à l'arrêt presque total. Les entraînements et compétitions ont disparu pour la majorité d'entre eux. Et le nombre d'affiliés diminue à vue d'œil. On doit les aider. Le tourisme, combien de gîtes et de chambres d'hôtes ont été contraints à l'inactivité alors que Jarret fait partie des communes de l'arrondissement avec le plus de nuitées? Pendant des mois, ils sont restés vides. On doit les aider. L'associatif, le social, les comités de fêtes, on sait combien ils sont actifs dans notre village. Les comités de fêtes de village, les jeunesses, qui ont bien imaginaire d'ailleurs avec la balade, de notre commune, ces mouvements de jeunesse ont vu s'envoler leurs revenus liés aux activités qui n'ont pas pu ou ne pourront pas se dérouler à l'avenir. On doit les aider, peut-être pas financièrement. Il convient donc d'inventorier l'ensemble des problèmes afin de n'oublier personne et d'en débattre. Pour ce faire, nous préconisons la création d'un groupe de travail qui regrouperait des élus, mais aussi des acteurs de terrain concernés. Ce groupe aurait pour mission d'apporter une solution concrète au conseil communal dans les délais les plus courts possibles pour mettre en place ce qu'ils auront proposé. Nous savons bien entendu que notre commune, Eric, ne pourra pas dépenser des sommes.
Mais si nous disposons d'un budget ouvert, nous pourrons, acteurs de terrain et élus réunis, être à l'écoute des besoins réels des secteurs précités et y répondre au plus juste. Concrètement, le groupe serait composé comme suit. Il serait présidé par un membre du collège communal. Il compterait un membre de chaque groupe représenté au conseil communal, aussi bien de la majorité que de la minorité. Un représentant du comité culturel, un représentant du milieu sportif, un représentant de Jallège Entreprend, un représentant de l'Office du tourisme, un représentant du CPS, un représentant des jeunesses de nos villages. Nous pensons que cette proposition offre une ligne d'horizon dans le climat anxiogène dans lequel nous vivons et des difficultés que nos concitoyens rencontrent en ce moment. Ce serait un plan de relance au niveau local, un véritable outil communal. Nous espérons que cette proposition qui mobilise l'intelligence collective sera bien accueillie par votre collège. Et comme je le disais tout à l'heure, cette proposition qui a été faite par les deux conseillers a été accueillie à l'unanimité par le collège communal, le conseil communal de Deux, qui, je ne vais pas t'apprendre, Michel et les autres, est en majorité libérale. Voilà. Donc, merci. Je voulais juste ajouter à ça dans le débat du budget, parce que je pense que on parle souvent d'aide financière, et c'est bien là notre, en général, par là qu'on peut les aider. Mais je pense qu'on peut aussi les aider autrement, surtout par le social, par l'écoute, par la présence, etc. C'est ce que je voulais ajouter sur ce point, parce que je pense qu'on peut, comme le disait Didier, on peut faire peut-être bien, mais on peut faire encore mieux, et peut-être pas pour plus cher. Merci. Ambition dégueulasse, mais voilà, c'est, je le dis chaque fois, c'est parfois dommage de soumettre ce genre de projet comme ça à la minute où on doit répondre, à la seconde. C'est exactement comment je peux le faire, Michel. Mais non, c'est pas vrai. Je peux très bien déposer ça avant, qu'on puisse en prendre connaissance, qu'on puisse en parler, et pas venir comme ça. Non, mais non, si. Je vous ai disposé, et comme vous me le dites chaque fois, on ne peut pas répondre, on ne répondra pas aux questions orales directement. C'est ce que la vérité générale nous dit chaque fois. Et donc ben là, justement, on nous a posé la question. Donc, vous pouvez forcément réfléchir si vous avez envie ou pas. On va venir vers nous avec une réponse objective de ce qui sera votre réponse. C'est tout. C'est juste une question qu'on pose pour moi, un endroit qui est le conseil communal et qui est le meilleur endroit pour discuter. Non, si ce n'est pas ici, je ne vois pas où on pourra le faire. Je vais pas trop de parce que on va voir que vous passer au vote. Oui. 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 Oui.
permettrait d'alléger certains travaux que vous avez sur ces côtés. Et vous avez une convention entre la commune de Teux, entre cette convention entre la commune de Teux et la commune de Jalais, que je vous suggère de passer pour pouvoir utiliser votre phrase à ça. Ok, il y a des remarques particulières là-dessus. Ben, on peut voter. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, ça marche le type de travaux, c'est la réflexion des voiries communales, c'est le plan PIC 2019. Max, je te passe la parole. C'est le plan PIC 2019. Voilà, la réflexion des voiries à stocker, le responsable est chargé pour 2019. Et à Thiège, pour deux, bah, c'est deux projets qui étaient déjà passés au conseil communal, qui avaient reçu l'approbation, mais qui ont été refusés par la tutelle. Parce que ça ne répondait pas suffisamment selon leur plan au calibre. Donc il a fallu réadapter le cahier des charges, ce qui a entraîné pour les deux projets, les deux types, une augmentation du budget de 40 millions. On a un subsidie pour le PIC 2017 de 126 000 euros et pour le 2020 de 110 000 euros. Donc, on n'a pas trouvé le cahier des charges et le montant estimé pour les PIC, ça s'élève à 455 406 000. On n'a pas trouvé le plan de sécurité. On demande de pouvoir passer le marché par la procédure négociée directe avec l'utilisation préalable, de solliciter la subvention et de financer les deux lots que le budget par le budget extraordinaire de 2021. La suite est remarque à ce sujet-là. Non. Non, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est l'ordonnance de police du province du 27 octobre 2020 et du 20 novembre 2020. Concernant la lutte contre la pandémie du coronavirus, le COVID-19 relative aux événements et aux manifestations sur le territoire communal de Jalais. Je dois passer au conseil pour confirmation. Y a-t-il des questions sur cet ordonnance? Oui. Oui, c'est important. Plus qu'une question, c'est un commentaire. Donc, depuis le début de la pandémie, les enfants de moins de 12 ans, que le virus du SARS-CoV-2 ne soit pas facilement transmis par les enfants, je cite Cienciano. D'ailleurs, cette même phrase apparaît déjà dans les circulaires de l'enseignement fondamental au mois de juin. Le décret de la ministre des Sports du 23 octobre 2020 va dans ce sens. De plus, même en code rouge, les écoles sont bel et bien restées ouvertes avec des conditions scolaires quelque peu modifiées. Alors, entendons-nous. Nous ne critiquons pas votre prise de décision relative au rassemblement d'adultes, voire des adolescents, qui relève d'une logique nationale, et j'insiste sur ces mots, on ne critique pas cela. Nous critiquons le fait que vous avez étendu votre arrêté aux enfants, et qu'à aucun moment, vous n'avez pris le temps de la concertation avec les acteurs de terrain de l'enfance, tant sportifs que culturels. Vous pouviez passer par la CCA. Enfin, nous déplorons le manque de cohérence de votre prise de décision avec les communes aux alentours, dont les enfants pratiquant une activité sur d'autres communes les ont poursuivies, et certaines activités d'associations communales se sont délocalisées. Allons plus loin, des compétitions avec spectateurs, même en nombre limité, ont été jouées dans d'autres communes. Apporter la nuance, autorisation de certains entraînements et certaines activités à l'attention des enfants en concertation avec la CCA aurait été cohérent et moins contre-productif. D'autant plus que ces mêmes enfants se retrouvaient dans nos écoles toutes les semaines. Alors j'en profite aussi pour témoigner du malaise que notre proposé des présents ce soir. Pourquoi n'avoir pas fait ce conseil en visioconférence? Notre commune, à l'instar de notre commune, n'a-t-elle pas les moyens de le faire? Nous nous sommes pourtant connectés. De plus, sur le site de Lyon Ville et Communes de Wallonie, vous pouvez lire un courrier du ministre des Pouvoirs locaux qui dit qu'en substance, on a le droit d'être là, mais qu'il est vraiment préférable de travailler en visioconférence. Vous prenez des mesures très strictes au niveau communal, et là, on organise un conseil communal, évidemment, un conseil communal public. Que
Que devons-nous en déduire? Que doit en déduire la population? D'abord, c'est que notre avis, forcément pas le bon. Vous allez jusqu'au 13 décembre.
qui m'ont téléphoné pour voir si mon ordonnance était toujours d'actualité. Alors je leur ai répondu, bah, écoutez, non, mais vous auriez pu recommencer plus tôt, le week-end passé. Ah oui, mais non, ça ne nous intéresse pas, ça. Mais peut-être que pour la semaine prochaine, oui, ça ira. Donc, je pense franchement que faire un scandale comme quoi j'ai interdit les enfants d'aller à des stages ou d'aller aux unités scouts et des choses comme ça pendant quelques semaines, c'est peut-être dommage. Mais je pense que dire qu'ils étaient tous ensemble, de toute façon, à l'école, ce n'est pas vrai non plus. Car, déjà de mon époque, les enfants qui étaient dans les classes, ce n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient dans les clubs de foot. Parce que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école dans le village. Ça, je peux te le dire. Mais par contre, il faut en donner une des scouts dans le village ou les clubs sportifs de foot ou de danse ou de kick ou de tchèque. Et il y a même quelqu'un qui m'a téléphoné aussi en me disant, tiens, pourquoi est-ce que telle personne n'a pas organisé des stages pendant les vacances ici qui commencent? C'est certainement parce que ton arrêté est toujours de vigueur. Mais je dis non, il n'est plus de vigueur. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, les personnes, ça ne les intéresse peut-être pas. Il faut bien te dire ça aussi. Hein. Mais non, il faut te dire que les gens, ils organisent des histoires pour les jeunes, mais dès le moment où les parents ne peuvent pas venir, qu'on ne peut pas faire telle manifestation, qu'on ne peut pas aller vendre gauche à gauche et à droite, c'est pas rentable, hein. Donc on ne les fait pas. Mais ça, c'est comme ça. Et je te jure que j'ai eu des responsables de club qui étaient bien contents qu'ils n'avaient plus rien, parce qu'au moins ils ne perdaient pas de l'argent. Ça, tu vois bien, ça. Ah oui, mais ça va dans un sens. Non, la responsabilité, il faut que je la prenne. Et quand j'ai des journalistes qui ne connaissent rien, sauf jamais, qui ne savent même pas la rigueur où ça se situe, qui me demandent, Pierre, vous êtes le numéro 2 en Belgique, est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, moi, je suis incapable de dire pourquoi la commune de Jarret a été comme ça, avec un taux de contamination exorbitant à un niveau pareil. Alors, quand on a un niveau de contamination comme ça, il faut prendre des mesures de la même ampleur. Alors, oui, mais je ne vois pas très bien. J'ai tout interdit, tout. Il n'y a eu aucune kermesse qui s'est organisée. Il y a je ne parle pas. J'ai tout interdit. C'est mais pas. Malgré tout, j'ai eu... On a eu des contaminations invraisemblables dans la commune de Jarret. Alors, il est vrai que peut-être deux ou trois jeunes sont partis dans des clubs à gauche, à droite. Mais je peux te dire que dans les communes voisines, et la conférence des bourgmestres, on a beaucoup travaillé tous ensemble, tous les bourgmestres, la majorité ont soit interdit les réunions à l'intérieur, ils en ont permis à l'extérieur. Il y en a dès qu'il y avait la moindre petite chose qui se passait à l'extérieur, c'était fermé, et alors il passait son temps à laisser les ouvertes et puis la semaine suivante il la fermait, et bien je peux te dire, mais c'est comme ça, moi je le sais, tu ne peux peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans les communes, mais je peux te dire que c'était comme ça. Et bien voilà, j'ai pris des décisions peut-être sévères, dures, mais pas partout, parce que j'ai permis certaines choses dans des mesures très 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 strictes. Ce week-end avec le Père Noël qui a pu se balader à Piège, à Jarret. Et tu sais, un jour on m'a dit, on a téléphoné. Et on me dit, tiens, ce serait quand même ça que tu pourrais nous. Voilà, t'interdis tout, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu ne pourrais pas nous donner des idées de ce qu'on pourrait faire? Mais non, ce n'est pas à moi de donner des idées de ce qu'on peut faire. Il y a quand même des gens. Et c'est certains comités un peu plus inventifs que d'autres qui ont des propositions super géniales, des super propositions comme la balade du Père Noël qui a eu lieu à Piège et à Jarret. Mais quand c'est fait correctement, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais des gens, comme on me l'a fait, des associations de parents, parce que je vais le dire, qui m'écrivent pour organiser des balades avec 16 adultes, de balade de 8 km avec 3 stands, le premier stand on prend un vin chaud, le deuxième un vin saucisse, le troisième le dessert, mais vous vous rendez bien compte qu'on va peut-être se rencontrer par groupe de 16. On sera 32 à un endroit, mais c'est pas grave. Est-ce que tu t'imagines que des gens m'écrivent des choses pareilles? Ça fait un ensemble. C'est oui, un ensemble qu'il faut prendre de mesure pour éradiquer. Parler des communes qui sont gérées, qui sont structurées, alors qu'ils ne veulent pas prendre parce qu'ils ont des problèmes financiers, ok. Mais moi, en tant que parent, pendant tout cet arrêté-là,
entraîner, vous allez juste déposer mon enfant et je serai parti chez moi. Je vais rencontrer personne et mon enfant ne va rencontrer que celui qui joue et son entraîneur. Et c'est pareil dans beaucoup de domaines. Moi, je parlais bien des clubs et des associations. Je parlais aussi des gens qui faisaient de la psychomotricité, etc. J'ai eu d'autres échos. Voilà, c'est tout simplement ça, mon propos. C'est pas de dire que c'est légitime d'interdire une organisation avec plein d'adultes, plein d'enfants. D'ailleurs, c'est même interdit au niveau fédéral. C'est ça, moi, je dis simplement que la ministre des Sports a fait un arrêté le 23 octobre qui contraignait tout le monde de manière stricte, que les enfants continuent à aller à l'école avec des règles sanitaires. Les enseignants, je connais, j'ai lutté contre la ministre des Sports. Elle touche exactement les mêmes domaines que dans l'enseignement. Mais est-ce qu'on ne peut pas les clubs, on ne peut pas n'importe quoi, les mouvements de l'aide ne sont pas démarrés. Donc voilà, moi c'est simplement ça le propos. Oui, bien sûr. Et je dis que c'est contre-productif, que peut-être que si on en avait discuté avec toutes les associations, parce que la CDA, pas une paquet d'associations qui y sont présentes, peut-être qu'on aurait trouvé, voir quel club était, savait gérer, celui qui ne savait pas gérer, celui qui préférait taper. Celui qui voulait faire comme ça, et ça pouvait aller très beaucoup plus vite et beaucoup plus... Je ne dis pas peut-être pour celui qui voulait, mais ce bon peut-être. On n'a pas le temps d'organiser peut-être des tables de réunion et de voir qui fera quoi, comment, etc. C'est ma responsabilité, celui qui n'est pas... Voilà, c'est une... Ça m'appartient, j'ai pris cette décision-là, je l'assume entièrement jusqu'au bout, et ça ne casse pas, elle n'est pas... C'est tout à fait correct. Ouais. Bon, non, non, non. Ouais. On verra. Si je peux me permettre, oui. Michel, moi, ce que je note, et ça, ce n'est pas une critique par rapport à ta décision, mais à un niveau pluridominal, c'est là pour moi, manque un peu de cohérence. Pour quelle raison est-ce qu'à un niveau supérieur, on n'a pas dit ceci, je parle de ceci, mais c'est un groupe de communes. On bloque. Parce que j'entends ce que tu dis et c'est complètement défendable. J'entends ce que Pierre-François dit et je le sais que mon fils aussi est au football. Et donc, on nous a proposé de faire des choses comme ça et d'aller à l'extérieur pour l'entraînement des enfants. Ce que je pense, c'est que de la cohérence dans un ensemble de communes aurait été plus bénéfique. Et si j'avais été à ta place, j'aurais probablement fait la même chose parce que j'ai certainement pas envie d'avoir des morts sur ma conscience. Ça, c'est une chose. Et je termine et je te laisse la parole. J'ai vu qu'il était possible que dans cette... Parce que la question, comment ça se fait à Jamais? C'est quand même... C'est une question que tout le monde doit se poser. Pour quelle raison est-ce qu'à Jamais plus qu'ailleurs? Moi, je ne connais pas la réponse non plus. Et quand je lis, certains disent, bah, et ça c'est peut-être pertinent, qu'il y a beaucoup de jeunes qui cotent dans les universités, que ce soit à Louvain, à Bruxelles, à Liège, et qu'il est possible, et je ne leur jette pas la pierre aux jeunes, parce qu'on est en train de cette maladie, en train de voler leur jeunesse, mais que ça pourrait être aussi une réponse. On ne la connaît pas, la réponse, on ne sait pas répondre à cette question. Non. Et donc, le président de l'émotion, je le comprends. Je dis juste que si ça avait été vu, pas par toi, mais par quelqu'un, par un ensemble de communes, c'eût été plus efficace. Mais non, après, il faut bien vous rendre compte qu'on a la complément de promesse organisée beaucoup, et c'est tout l'arrondissement de Verdier, c'est 20 communes. On a pris beaucoup de décisions en commun. Mais il y en a qu'on ne sait pas prendre en commun. Parce qu'on est tous au même niveau. En numéro 2, il y en a deux. Hein. Il n'y en a qu'une. La deuxième commune en Belgique. Il n'y a que Jamais. Hein. Les jours qu'ils étaient bien, bien loin. Donc, vous imaginez ça. Alors pourquoi est-ce qu'on est numéro 2? Puis il faut assumer ce statut-là. Parce qu'on vient à voir hein, pourquoi on était numéro 2. On va essayer de prouver pourquoi. Et puis alors les gens qui vont le temps, qui vont avoir le temps de. Non, mais ça, le fait d'être numéro 2, comme ça, c'est interpellant. On se demande pourquoi, mais ne vous en faites pas. Il y a des scientifiques, des étudiants, de tout ce qu'on peut imaginer, peut-être des politiques qui vont essayer de comprendre pourquoi. Et si on n'a rien fait, là, on dira, mais pourquoi est-ce que vous avez parti d'être dur? Ah, mais parce que je devais rassembler la CCA et qu'il y avait la moitié qui savait venir à la réunion. Non, ça ne va pas. Il faut qu'on t'aime dur, il n'y a rien à faire. Oui, tu dis ça, c'est pour le boutard. Je vais te entendre un peu sourire par rapport à ce que tu fais. C'est la même chose. Entre pays, entre régions. On devrait faire ça au niveau global et de refuser. Au niveau européen, au niveau national, au niveau européen, au niveau provincial. C'est ça.
Et donc c'est très bien, les enfants peuvent participer, oui, les aînés souffrent, oui, tout le monde souffre. Mais quand on n'arrivera pas à soigner votre enfant qui va être invalide ou une personne âgée qui aura une hémorragie, eh bien c'est parce que les lits sont complets avec le Covid. Alors ça, c'est la réalité qu'on ne parle pas ici. Et les soignants, ils sont même pas, ils sont sur un plat de la deuxième vague et la troisième vague. Des données essentielles, et on se rend compte justement que tous ces gens-là, ben, ils ont une position qui est incroyablement utile pour notre société. Et bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi. Mais si vous voulez les aides-soignants, les médecins, moi je les entends, et sur les réseaux, ou même à travers les discussions qu'on a, ils sont à vous, ces gens-là. Et donc, les discussions qu'on a à vous aujourd'hui, ils ne savent même pas comment ils vont se mobiliser pour la troisième vague. Et ça, c'est la réalité. C'est ça que le bourgmestre tient compte quand il prend des décisions qui paraissent difficiles. Quant à des mouvements de jeunesse, il y a un responsable, un chef scout, dont son père a le Covid et qui vient animer ses jeunes. Et que dans ces jeunes, il y en a un dont sa soeur est malade avec le Covid chez elle, qui trouve ça normal. Mais je comprends qu'il faut faire attention. Sa volonté, son énergie, etc. Ce que j'ai juste dit, c'est qu'il n'aurait pas dû avoir une vue plus globale. Et je ne dis pas. La plus globale, il va dans toutes ses réunions, dans les cellules de sécurité, avec tous les contacts qu'il a tous les jours. Tous les jours, il a des infos officielles. Et il en tient compte. Est-ce que j'ai dit le contraire? Mais non, on a l'air de dire qu'il compte toutes les activités. Pour les enfants qui ne sont soi-disant pas contagieux. Allez, on va passer. Je vais parler pour la contagion, la spécificité qui peut les aider. Ça, c'est sûr. Je vais parler pour la contagion. Mais il y a tout ce qui est limité.
Vincent, il a peut-être ton vote. Ouais. La réalité dans l'ancienne convention, l'effet d'électricité, d'énergie, etc., était pris en charge par 50% par la commune, mais la commune n'occupe pas 50% du temps et la commune n'occupe pas même pas 50% des locaux. Donc elle occupe une faible partie et donc on a ramené à 20%. Alors ensuite, on a modifié aussi l'article 8, c'est juste le fait que la commune n'installera pas des accès pour les coûts de la privée, sous placé un filet de forêt et utilisera des ballons légers pour ne pas abîmer. Et enfin, l'article 11, auparavant, la commune de Bordeaux, pour une période de 4 années, dans un premier temps,
Dans la fabrique de la comité de pilotage, les associations, il est prévu à
que vous n'avez pas mis de nom, je ne sais pas qui, si vous avez décidé de mettre la même personne. Donc voilà, pour le comité de Lucas, j'en ai donné, c'est le remplacement de tout cela par M. Pierre François-Ville. Donc il faudrait qu'on vote, c'est pas rien, c'est tout le monde. Pour le preuve, oui. Cela me gêne parce que si de tels actes d'intimidation se produisent, plus personne ne pourra ou n'osera s'exprimer dans notre commune. Après quelques recherches dans la presse nationale, j'ai trouvé aucune trace d'un acte similaire commis ailleurs. C'est vous dire si ça est exceptionnel. Monsieur Laurent, ici présent, s'est d'ailleurs défendu dans la presse de ne pas être, je cite, le coupable. Il assure sur l'honneur qu'il n'est pas responsable de la disparition de ces quelques feuilles. Si l'échevin Laurent a tenu à réagir publiquement à cette information de presse, ce que je comprends parfaitement, pourquoi n'avez-vous pas fait, vous, monsieur le bourgmestre, un communiqué de presse, ou, en tout cas, de vous être exprimé au nom du collège? Nous aimerions simplement comprendre ce qu'il s'est passé et connaître la vérité de cette affaire que nous déplorons. Que l'organe sait, que l'organe dise, je vais vraiment pas se faire dire les gars en droit. Peut-être
marionnettes sont politiques. On n'a que 47% de contenu lumineux. Et là, c'est énorme. Donc, je trouve un petit peu. Puisque je suis mis en cause, je tiens à préciser deux choses. La première chose, c'est que la question que Vincent vient poser est une question très précise qui concerne les faits qui se sont produits. Comme tu l'as dit, parce que nous ne savons pas par la presse, dans un commerce. Et c'est ça la question. En fait, la référence à ce qui s'est passé dans un conseil communal il y a X années, ça n'a absolument rien à voir avec la question posée par Vincent. Rien du tout. C'est un argument ad hominem que je ne peux pas comprendre. Eh bien, je ne comprends pas. Et je vais encore dire une deuxième chose. C'est que moi, les feuilles que j'ai prises, qui étaient sur le comptoir où je suis servi, ce fait, il n'a rien d'immédiat. Absolument rien d'immédiat. Par contre, votre pétition, et là je ne réponds pas beaucoup à la question de Vincent, votre pétition, votre groupe, parce qu'il faut arrêter de dire qu'un habitant, qui est fâché, on n'arrête pas. Hein. Le groupe qui s'est choisi, et derrière cette pétition, tout le monde le sait, tout le monde peut sommes dans les faits, c'est illégal. C'est illégal. C'est même scandaleux, un véritable scandale, et même punissable, cette télévision. Parce que quand jamais la deuxième commune de la Belgique la plus affectée, de la Rennes Canton, se permet d'aller faire du porte-à-porte dans tout jamais, alors que c'est strictement interdit par la réalité ministérielle, sur lequel vous êtes vraiment assis, et là même pour une dossier, vous êtes torché avec. Ça, c'est scandaleux que de prendre quelques feuilles de pétition qui sont à notre disposition dans notre commerce. Et ça, je suis en train de le contraire. Hein. Parce qu'à ce moment-là, même les portées de Jean-Louis étaient strictement interdits, le porte-à-porte était strictement interdit, et on a lâché les gens à aller faire du porte-à-porte dans toutes les autres années pour signer la pétition. J'accuse. Quand on balaye sur le plan des autres, on balaye dans notre dossier. Tu accuses indûment notre groupe, parce qu'il s'agit d'une action citoyenne d'une personne, d'une personne de votre groupe qui était sur les secteurs. Donc, bon, ben, la personne a répondu, j'espère que vous êtes satisfait de sa réponse, et je ne vois pas très bien pourquoi je vous restez communiquer à ce sujet. Je voudrais juste réagir. Je pense que tu fais erreur, Michel. Pas toi, Michel. Je pense que tu fais erreur, c'est pas cette pétition, bon, c'est très bien qui l'a initiée. Ce n'est absolument pas une décision de notre groupe. Absolument pas, et on n'y a même pas fait. C'est un sujet qu'on n'a jamais discuté entre nous en groupe. Je peux te donner ma parole d'homme. C'est un sujet qu'on n'a pas discuté entre nous. C'est quelque chose qui a été mené par la personne qui a initié la pétition. D'ailleurs, je vais t'assurer que je n'ai même pas signé. Et. C'est bien qu'il a signé. Ben oui, j'imagine. Mais. Je n'ai même pas mis le feu. Mais ce n'a pas été fait dans une fête. Je ne peux pas te rejoindre dans ce que tu dis. C'est-à-dire. Voilà, moi je l'ai perçu comme une. À moins que je me sois passé au-dessus de la tête, hein, je peux avoir l'humilité de le comprendre. Mais c'est pas un sujet qui a été discuté en groupe entre nous, qui a été proposé en groupe et qui a été avalisé par le groupe en aucun cas. C'est vraiment une initiative citoyenne. Alors maintenant, la manière dont cette pétition a circulé, etc., moi, je ne m'en suis pas associé pour des raisons personnelles. Mais je crois que tu fais erreur. Ce que je trouve dommage, c'est que bah, je comprends, tu réagis quelque part dans une forme d'attaque, mais je crois que le questionnement, la question de Vincent, c'est plus la surprise qu'on a eue face à cet événement-là qui a été relayé dans les journaux, et je crois que quelque part ça fait du tort à tout le monde. On n'est pas heureux de dire que ce genre d'événement s'est produit. On n'est pas, et puis il faut être honnête, on a peut-être
pas quelque chose qui a été organisé par nous du tout, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est proche de nous qui l'a initié, ça on va pas dire le contraire, c'est très bien. Moi je vais évoquer Il était sur votre liste.
par la presse sont exacts, oui ou non. Et le bourgmestre nous dit, et les chevaux que je n'ai jamais cités, parce que je ne sais pas, je ne sais pas si c'est pas lui, ou quelqu'un qui est pas lui, donc voilà, je trouve que c'est triste de parler de ce genre de choses. On aurait voulu que moi, j'interviens et je dis son nom des chevaux. Mais non, pas du tout, dire que, non, dire que c'est faux, ou que les choses ne sont pas passées comme telles. Moi, je n'aime pas qu'on forme la commune comme un c'est le Far West. Ben, si je ne suis pas sûr, il n'y aura peut-être pas de journaliste ici aujourd'hui, mais peut-être qu'un va dire la vérité un jour. Ce n'est pas la première fois que des journalistes racontent de n'importe quoi. Vraiment pas n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc. Et sur le cas, ce qui a été dit et écrit, c'est grave. Ben oui, c'est grave. On est d'accord. Mais c'est très faux. Mais ben oui. Je suis, pour l'honneur de ma commune, je suis heureux que ce soit. Allez, on va arrêter avec ce sujet-là, s'il vous plaît bien. Il y a des questions, on va demander à Didier. Vous avez quelque chose à titre personnel, parce que Vincent a répondu à titre personnel aussi, on comprend directement. Je comprends parfaitement le cas de Didier, je comprends parfaitement ta réaction, et je t'avoue que je n'ai pas compris pourquoi cette photo de Sébastien figurait en marge de cet article, qui est l'État des Finances. C'est le journaliste. Ouais, mais les journalistes ont toujours des informations quelque part. Oui. Bon, Didier, as-tu des questions? Beaucoup de questions. Oui, parce qu'il y a un conseil qui nous carreau depuis un mois. Je voudrais savoir pourquoi le conseil communal de novembre a été annulé. Il y avait quand même pas mal de choses qui auraient dû être débattues. Ah bon? Notamment, en décembre, il y a les intercommunales, les assemblées générales intercommunales, et la commune doit voter les ordres du jour. Ça n'a pas été fait, donc la commune de Valais n'a pas été représentée. Ah, attends. Tu sais que quand le conseil communal ne débat pas sur les points de l'ordre du jour, chaque conseiller communal doit aller à l'Assemblée générale et chaque conseiller communal a un droit de vote personnel. Oui. Et tu votes pour ta envie, d'autant qu'on plus que de la décision du conseil communal. Voilà, donc tu n'avais qu'à y aller. Sauf que cette fois-ci, on ne pouvait pas y aller parce que ça se faisait à distance. Il y a plusieurs intercommunales qui ont demandé. Tu pouvais y aller. Il était clairement noté, vous n'avez pas besoin de venir, vous ne pouvez pas venir parce que votre conseil communal a voté lors du jour. Mais si tu n'as pas voté, tu pouvais y aller. Donc, tu pouvais y aller. Chaque fois que le conseil communal ne débat pas, et ça arrive à tout. Chaque année, deux fois l'année, ça arrive, parce qu'il y en a qui arrivent trop tôt, trop tard, et chaque conseiller doit se rendre à l'Assemblée générale et a droit de vote. Et tu votes en ton âme et conscience, toi, personnellement. Donc, tu as entendu ce que l'année comme les autres, et ce n'était pas possible pour toutes les intercommunales, et c'est un sujet qui aurait dû être débattu au conseil du moment. Et tu ne crois pas qu'il va peut-être avoir des annulations des assemblées générales parce que des personnes vont dire je voulais aller voter et je n'ai pas pu. Mais de toute façon, ça n'aura pas une influence énorme. On est d'accord. Mais le fait est que c'est un point qui aurait dû être à l'ordre du jour. Et donc, vous pouvez pas dire qu'il n'y avait pas de point. On n'a pas fait le conseil communal. Voilà. On était en pleine pandémie. Il y avait. Bien qu'aujourd'hui, l'ordre du jour, il est quand même assez light, alors qu'il y a quand même déjà longtemps. Parce que on pourrait croire qu'il y avait le budget et des choses comme ça, mais c'est quand même trop pour live, et voilà. Et on a discuté aujourd'hui dans le nord. On a pas fait, mais pourquoi le conseil communal était prévu le 23 novembre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu débattre de la prochaine ordonnance de police à ce moment-là? Bon. Ici, on nous demande de valider, le conseil de police est déjà terminé, non? Mais voilà. Donc ça montre bien le peu de terre que vous faites de l'opinion qu'on peut avoir dans les autres groupes à ce sujet-là. On aurait pu parler aussi de ce qui se passe dans les écoles, notamment du soutien aux commerçants aux indépendants, mais vous avez rien à faire. Le problème de la pétition était déjà pendant au mois de novembre. Non, la pétition est arrivée mercredi. Mercredi, la pétition. Alors, il y en a un qui s'excite parce que je ne lui réponds pas. Comment veux-tu que je réponde à quelqu'un qui n'est pas au plus haut point? Cette personne-là m'écrit en me disant pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à ma pétition, je vous ai déjà interpellé deux fois et je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai jamais reçu cette pétition-là que mercredi. Je ne parle pas du contenu de la pétition parce que ça... La pétition, je n'ai pas reçu. Comment veux-tu que je réponde à quelqu'un quand je ne reçois rien? Alors ne viens pas sur ce sujet-là non plus. Je trouve ça complètement... je trouve ça exceptionnel. Et je pense franchement une chose, c'est qu'il attendait d'essayer d'avoir quelques personnes pour pouvoir
imaginé stop à ceci, stop à ça, 85 personnes, on va dire majeur sur 4000 aidés. Non, mais tu ne parles pas, mais moi je t'en parle parce qu'on me reproche de ne pas répondre, mais je ne sais pas répondre à quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, elle existe, on la fera au collège, au lieu des contacts, on a bien reçu sa pétition. Voilà, voilà le candidat. Donc on n'aurait pas su en parler, on n'aurait pas. Non, mais par contre, les articles de presse concernant l'incident qui vient d'être évoqué étaient déjà sortis, donc on aurait pu en parler en autre. Oh là là, oui, là, c'est en gros un conseil communal. Mais la question est toujours la même, pourquoi est-ce qu'on a annulé le conseil de novembre? Il y avait quand même des sujets qui auraient pu être traités, il y avait des points. Mais écoute, parce que vous n'aviez pas envie. Non. Je rappelle quand même que dans le règlement de l'intérieur et de la cause de démocratie locale, il est prévu que le conseil communal soit 10 fois par an. Oui. C'est une information qui a été confirmée par le ministre Lyon à qui nous avons écrit. Oui. Donc, la commune de Jalais est encore aussi à ce niveau-là. Tout à fait. Et donc, tu étais en droit de convoquer ton conseil communal. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Ah, nous, on n'est pas au droit. C'est en droit l'année prochaine. Cette année, on n'est pas au droit. Hein. Vas-y. On organisera ton conseil communal. C'est ça. Mais ce n'est pas ça qui nous apporte le problème, c'est que le conseil communal, c'est le lieu où on débat des sujets qui concernent la commune. Et s'il n'y a pas de conseil communal, il n'y a pas de débat. Simplement, voilà. Le collège décide, c'est votre rôle, mais sans avoir d'opposition, sans avoir de débat avec les autres groupes. C'est ça qui est regrettable. J'ai plus rien à dire. Alors, moi je veux bien être mis la circulaire 7626, 7691 et 7697, relative à l'enseignement fondamental. Donc, l'hybridation de l'enseignement, c'est cette circulaire qui demande aux écoles d'être prêtes au cas où et peut-être de souscrire à une plateforme. Et la Fédération Wallonne de Bruxelles propose la plateforme API. Et il faut se renseigner d'abord l'hybridation. Donc c'était pas possible. Mais, donc
s'ils ne savent pas où leur produit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui les a qui leur a amené au Québec. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu ça à leur produit? Peut-être, oui. Maintenant, est-ce que dans un service public, intellectuellement, est-ce que ça choque? Non, non. Que des personnes, un service public, puissent voir ce genre de choses aux gens. Parce qu'on a seulement à chaque fois bénéficié de la bonne volonté d'un bénévole. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Et tant mieux. Je trouve que la commune, est-ce que vous me répondez oui ou non? Après, c'est parti par le prix que nous avons gardé. C'est le même que j'ai fait celui-ci. On s'est renseigné il y a plusieurs années. Ouais. Et c'était nettement, nettement, très nettement plus cher. Ok. Je t'enverrai une lettre de la dame. Oui, oui, oui. Non, non, parce que je ne vois pas. Je suis simplement retranscrit ce qu'il y a. Oui, on en a trois. Ça, c'est pas. Tu vois, c'est par honnêteté que je dis que l'autre réel, on ne l'aurait pas avoir parce qu'on n'a pas de sac. On n'a pas trouvé. Je trouve un peu. C'est bizarre, mais enfin, bien sûr. Ça, c'est de mon premier. Ceci dit, les sapins sont généralement produits par des prairies, dans la prairie qui se développe en fond. Il est évident qu'on ne pourra pas laisser les sapins en place. Oui. Par pour éviter les amis de la personne qui met la disposition, il faudra qu'on fasse qu'on cherche une solution. Tous les sapins qui ont été passés par les jeunesse. Déjà engagé à avancer, à broyer. Dès le 1er janvier de l'appareil servant à rédiger les virements à la poste de Sarre. D'après mon renseignement, même après les travaux qui seraient entrepris dans ce bâtiment, la poste n'envisagerait pas d'y installer un terminal car ce bureau, le révolutionnaire, ne serait ouvert qu'à temps partiel. Beaucoup de personnes âgées ne sont pas à l'aise, voire ne savent simplement pas si ça crée de l'application, ou n'ont simplement pas Internet. Voulez-vous apporter, je ne demande pas de le faire maintenant parce que forcément si vous questionnez, pouvez-vous nous apporter des précisions afin de rassurer cette partie de la population qui serait privée d'un service public? Oui, on va essayer d'interroger la poste pour toi qui veulent bien répondre parce que j'attends toujours une réponse de leur part qui me vient depuis du Japon. Il y a plus d'un mois, j'attends une réponse et une information qu'ils m'ont donnée par téléphone. Je vais leur demander de m'envoyer un mail, parce que par téléphone, c'est plus trop facile. J'attends toujours. Il y a 6 mails avant la fin. Et c'est bien plus grave que ce qu'une part. Mais je veux une confirmation écrite, donc je vais les relancer pour avoir une réponse écrite. Et j'en profite pour demander, mais il faut savoir que la poste a une obligation d'avoir une poste par commune. Par commune. Et ça ne précise pas où dans la commune. Mais voilà. Donc vous voyez, toutes les communes sont dans le même sac. Hein. Toutes les banques ferment. La poste est censée ouvrir des distributeurs partout, il n'y a rien qui bouge, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ils prennent les deux de tous les côtés. C'est le monde virtuel, hein. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas informatisées et qui ont un âge où ils ne seront jamais. Voilà. Mais. On posera la question parce que de toute façon, mais le problème c'est que j'ai déjà posé des questions et j'ai demandé qu'on me réponde par écrit. C'est une bronca. Alors c'est difficile de prendre des décisions, de donner des informations quand on a une personne au téléphone qui te dit oui, c'est comme ça, mais je vais quand même demander la confirmation à mes supérieurs, puis.